for all of us whenever we use. Quand nous achetons le synthétiseur, when we buy a piano like this one, il est important qu'on nous envoie les catalogues. It's important that they send us a manual. Parce que la plupart de nos jeunes gens qui jouent sans catalogue, because most of the guys that plays without the manual, ils peuvent abîmer l'usage de ce matériel qui coûte très cher. They can destroy the use of this piano that costs a lot. Mais le concepteur, celui qui a inventé ce matériel, but the one who has built this il n'en a pas besoin. Does not need it. Le mariage, the marriage, est une institution divine, is a divine institution. Mais dont nous sommes les bénéficiaires. But we are the beneficiaries. Et si nous voulons jouir de ce programme, and if we want to enjoy this, nous devons avoir les catalogues. We need to have the manual. Et les catalogues, and the manual is the word of God. Et c'est ici où nous avons tout ce qu'il faut. And that's where we have everything that pour we need. Pour que nous puissions réussir à bien jouer, à bien utiliser in le matériel. We need, in order for us to be successful in using the material. Tous ceux qui utilisent le matériel sans entrer en contact avec l'idée, la pensée du concepteur, ils sont à côté de la plaque. So I would like just to tell people that everybody who uses the material without the technical knowledge goes away. Le mariage de famille qui est très mal, le vrai problème, il faut bien vérifier. Ils n'ont pas utilisé les catalogues. And most people will just have so many problems, and if you verify, you will see that the main problems they just don't have the manual. Il est important pour nous de comprendre. It's important for us to understand. Le plan de Dieu pour le mariage, pour la famille. The God's plans for the marriage, for the family. Consultons notre catalogue. We take a look at our manual. Genèse chapitre 2 verset 24 doit être mis en application. Genesis chapter 2 verse 24 must be put into action. Bien-aimé dans le Seigneur, people of God, il faut quitter, you have to leave, s'attacher, be attached, devenir, and become. C'est ça le plan de Dieu. Il est important de comprendre. Quand nous avons beaucoup de gens qui ont des difficultés de suivre les carnivals, les principes, c'est un problème d'immaturité. When people have hard time following principles, it's a problem of maturity. Si vous voulez parler les pasteurs des problèmes, l'église des problèmes, grandissez. If you want to speak about the problems, you must grow up. Grandissez. Grow. Vous devez vraiment grandir. You have to grow. Et nous sommes liés avec ma femme. And we talk with my wife. C'est notre affaire. And we say it's our. Dieu est avec nous. It's our problem that nous devons réussir notre mariage. We need to succeed in our marriage. Nous avons quitté. We left. On a commencé à vivre dans notre premier pas dans cette histoire, our dans une maison que vous n'aurez aucune idée, et le membre de famille ne pouvait même pas venir nous visiter. Our first step in the marriage, we had a home to where people cannot. Pour ceux qui connaissent Kinshasa, c'était à Massina là-bas. For people who know Kinshasa, une maison chambre salon que vous ne pouvez même pas. Quand vous entrez comme ça, vous vous dites mais ces gens qu'est-ce qu'ils sont venus faire ici? It was a house that was just one bed. Mais moi et ma femme, on était très contents parce qu'on voulait résoudre ce problème. But me and my wife, we were happy because we wanted to. We wanted to resolve. Nous avons eu des menaces de membres de nos familles. We had people from our families. En termes de, vous êtes en train de nous faire la honte. Speaking to us, telling us that we are. Nous avons dit non. Nous savons ce que nous sommes en train de faire. But we said no. We know what we are. Mais aujourd'hui, je peux vous garantir. And I want to guarantee. Que ça soit de son côté, de mon côté. That from her side, il n'y a pas deux mariages stables. Il n'y a pas deux mariages dynamiques. L'unique mariage stable qui est moderne, un mariage de référence, c'est notre mariage. In our families, the only marriage that's stable is. Pourquoi? Why? Pourquoi? Why? Parce que nous avons appliqué la parole because de Dieu. Because we had applied the word of God. Nous avons appliqué la parole de we Dieu. We applied the word of God. Nous avons un principe. We had a principle. Aucun membre de ma famille ne peut passer par moi pour me donner des injonctions. Il doit passer par ma femme. Nobody can come from my family to tell me. Et dans ma famille, do. C'est he aussi. To my wife. Si vous voulez que ton problème puisse être résolu, il faut aller vers le premier ministre. And in my family, they know that if you want your issue to be resolved, le gouvernement. To the prime minister. De son côté, même. And in her side c'est too, moi qui me présente, c'est pas elle qui se présente, c'est moi qui me présente. I am the one who show up in pourquoi? Her family. C'est why? Pour protéger notre mariage. It's to keep or protect our marriage. Parce que quelqu'un qui a quitté, because somebody who had n'a rien à voir. C'est la séparation doit être une affaire résolue pour qu'un mariage soit un mariage stable. Separation must be something that's taken care of for your marriage to be stable. Personne ne peut me prendre à l'écart pour me donner des leçons en tant que membre de famille pour dire n'importe quoi sur ma femme. C'est déjà un projet échoué. Nobody can come take me aside to say whatever about my wife that can destroy our marriage. Et personne ne peut le faire pour ma femme.
And nobody can do je me souviens un jour, sa grande sœur s'est permis pour commencer à cérémonier ma femme. And I remember her big sister started doing that. Même ma belle-mère. Even my d'abord ma belle-mère lui a dit mais toi tu es toujours collé à ton mari. Mais il faut comprendre que ça a des limites. Il faut aller jusqu'à ce niveau là. And she was telling her that we don't understand that you are so attached to your husband, you also have to leave some space. Et sa grande sœur a commencé à lui cérémonier pour lui dire prépare-toi parce qu'on ne sait jamais après le mariage, après la mort peut-être. Ma femme est venue me relater tout ce qu'on lui a dit. And her big sister was telling her to get ready because after marriage sometimes can die and you have to be ready. Je lui ai posé la petite question bon maintenant par rapport à tout ce que vous avez dit là, quelle est ta position? And my wife came to tell me everything and I asked her based on everything that you told me. Nous avons juste notre petit refrain. And we just have our little quand on a nos petits problèmes, when la première des questions qu'on se pose, est-ce que ça touche la fondation? Does this touch the foundation? Dans une même porte. It's not first a physical context where people can see you. C'est pas d'abord un problème de s'habiller d'une même manière. It's not a problem of dressing the same. Non, il est important de savoir si nous avons respecté les principes, les lignes tracées par Dieu pour conclure un mariage. It's important to understand that we must respect the lines or the principles that God has set for you. Okay, je vais rapidement parler des trois événements successifs qui marquent la fondation de la famille. And I will speak about three events that marks a foundation of a family. Et si nous devons revenir dans notre texte de Genèse chapitre 2 le verset 24, if we go back in Genesis chapter 2 verse 24. Le premier point, the first la séparation d'avec la génération précédente. You must separate with the previous generation. La séparation avec la génération précédente. Separation with the previous generation. Le deuxième point. The second. L'attachement mutuel. Attaching, mutual attachment. Le troisième point. The third point. Devenir commun, une équipe. Becoming common. C'est là où nous pouvons dire. That's where we can say. Que la famille voulue par Dieu. That a family that God wants. Commence par un couple stable. Start with a stable couple. Qui s'attache. Who gets attached d'une manière durable in a durable way. Il est séparé de ses parents. They are separated from the parents. Bien que unis à eux, even if they are united, mais appelés à vivre avec ses propres enfants. But they are called to live with their own children. Quitter n'est pas la rupture. Living is not breaking. C'est pas dans la volonté de Dieu. It's not in God's will. Mais quitter est une séparation. But living is a separation. D'une manière géographique. In a geography. Spirituellement. Spiritually. Financièrement. Financially. Matériellement. With material. En Occident, ça ne pose pas tellement de problèmes. In Occident, it's not really. Parce que déjà, à un certain âge, même à l'âge de 18 ans, on devient déjà autonome. Because même moins de 18 ans, 14 ans, on commence à devenir petit à petit autonome. At certain age here, 14 to 18, you can. Mais en Afrique, vous pouvez voir un vieux là de 40 ans toujours chez ses parents. But in Africa, you can see somebody who's 40 years old. Ça pose un problème sérieux. And that causes a serious. Et non seulement chez ses parents, mais il peut aussi se marier tout en restant chez ses parents. But not only the living with the parents, but they can also get married. Quelqu'un qui s'est dit entrer dans le mariage et rester chez ses parents et à l'encontre de ce premier pas de quitter. And somebody who wants to get married but still remains living with their parents, he is against this first step. Mais on peut aussi se quitter peut-être par rapport à la distance géographique. We can also speak about living according to. Mais mentalement, on n'a pas quitté. But in our head, we still haven't left. Vous voyez dans certains mariages où les parents ont encore une mémise. And you can see in certain marriages, you can see the. Je parle souvent des Africains. I'm speaking about Africans. Même quand vous êtes ici aux États-Unis, influence when even when you're here. Mais l'homme ne peut rien faire sans la vie de ses parents. But a man cannot do nothing. Et les parents même pas que de lui dicte à leur fils. And the parents can also direct the marriage from distance. Et ça peut être déjà, ça peut déclencher un problème dans les mariages. And that can launch a problems or issues in the marriage. Quitter spirituellement, quitter matériellement, quitter financièrement. You have to leave. Quitter géographiquement. Geographically, physically. Si ce stade est bien résolu. Si ce stade est bien résolu. That's when that's taken care of. Le reste va couler.
everything else. Mais je vous informe. Il y en a de ceux qui sont ensemble. There are people who are mais qui n'ont pas quitté. But who haven't left. Ça va poser des problèmes. And that will cause on issues. Peut vous imposer les mains et les pieds. And we can vous pouvez lire toute la Bible. You can read the whole Bible. Vous n'allez pas jouir d'un mariage stable. And you will still not have vous n'allez pas jouir d'un mariage dynamique. You will still not have a dynamic et il est important marriage. De comprendre cela une fois pour toutes. And it's important to understand that ne cherchez pas les démons là où il n'y en a pas. Aujourd'hui, nous avons des gens qui voient les démons partout. Do not just cast out demons where they are not there because je ne suis pas de cette demons everywhere. Je ne suis pas de cette avis. I'm not ce sont des raccourcis. Il ne faut pas cacher, vous clipser de votre dans l'internet pour voir est-ce que. And I will not go to the internet to see who is there. It's my choice. Regarde ta femme, dis-lui tu es mon choix. Look at your wife and say you are my choice. C'est mon choix. Dis à ta femme tu es mon choix. Tell to your wife you are my choice. Tell your wife you are my choice. Tu es mon choix. Tell your wife mon choix. My choice. C'est très important. It's really important. C'est mon choix. It's my choice. Il y avait plusieurs. Il y en avait plusieurs. Les courts, les géants. Il y en avait plusieurs. Les fléchés sont arrivés. C'est mon choix. Je l'ai sélectionné parmi plusieurs. C'est mon choix. It's my choice. Puisque c'est mon choix. Because it's my choice. Je m'engage à l'honorer. Je m'engage à la respecter. I'm engaged to respect. Je m'engage à réjouir son cœur. I'm engaged to je m'engage à lui rester fidèle. I'm engaged to be je m'engage d'être avec elle partout. I'm engaged to be with her everywhere. Je m'engage à quitter mes parents pour elle. I'm engaged to à cause d'elle, j'ai quitté mes parents. À cause d'elle, j'ai décidé d'être avec elle quelque part. I decided to go somewhere. C'est mon choix. It's my choice. Vous savez, des fois, il y en a de ceux qui sont complexés. Sometimes there are people who are nice. Not comfortable. Regarde comment il est de court de taille. And they will look, they are not comfortable with the wife. Ça n'a rien à voir avec vous. Show c'est mon choix. And that doesn't matter. Qu'elle soit noire, guys. Brune, qu'elle ait des dents déplacées à gauche à droite. Because that's not my choice. C'est mon choix. It can be c'est red, mon choix. Black. C'est mon choix. Still my choice. C'est mon choix. It's my choice. C'est mon choix. It's my choice. C'est mon choix. It's my choice. Je dois la protéger. I have to protect je dois l'aimer. I have to love her. Je dois la défendre. I have to defend her. Je dois la défendre. I have to defend her. Même en temps de conflit, en cas de conflit, even when we are in conflict, je n'ai pas besoin I don't need de la diminuer. To lessen her. Je n'ai pas choisi mes parents. I didn't choose my parents. Je n'ai pas choisi mes frères et sœurs dans la famille. I did not choose my brothers from the family. Mais j'ai choisi ma femme. But I chose my wife. Je dois l'honorer. I have to honor her. Honorer ma femme. Honoring my wife. C'est décider d'accorder de la valeur. Is deciding to give her value. C'est traiter avec respect, avec estime ma femme. Is taking care of her with respect. C'est la valoriser en public. It's to give her value. Si tu veux avoir des problèmes avec moi, touche ma femme. If you want to have issues with me, touch my wife. Si tu touches ma femme, if you touch my wife, tu auras des problèmes avec moi. You will have issues with me. Vous savez des fois à l'église, you know sometimes at church, les fidèles sont très gentils envers le pasteur. Believers are so nice with the pastor. Mais la femme du pasteur est négligée. But the pastor's wife oh, avec moi ça ne passe pas comme ça. Si vous m'aimez, aimez ma femme. With me it doesn't work like si that. Vous if you love me, you must love ma my wife. Mais si vous négligez ma femme, vous commencez à m'aimer plus que ma femme. But if you put my wife aside, but you start loving me more parce than her. Parce que je suis c'est elle. Because who I am, it's her. Pendant que toi tu dors, elle prie pour moi. As you were sleeping, she pendant que toi tu n'as pas le courage de me parler. When you are not, you don't have the courage to elle talk to me. She's the temps. One who tells me you took a lot of time. Bien. Next je time, you have to take off the time. Elle va me dire ce que tu as dit là, c'était pas bon. And you said whatever you just said wasn't good. Mais vous allez me critiquer. But you guys will criticize me. De paraître encore mieux demain. But she will help me to be better tomorrow. Quand j'ai des difficultés, quand j'ai when I have quand j'ai des problèmes avec des membres difficiles, with believers who are en termes de déception, when I am deceived, c'est elle qui met sa main sur moi pour dire le Seigneur va s'en occuper. Pardonner. Can forgive others. Avançons. Let's move le Seigneur est au contrôle de la situation. The Lord is in control of the situation. Beaucoup de femmes sont blessées. A lot of women are hurt. Sont complètement ruinées. Are completely pleurent au fond de leur cœur. They are crying in their hearts. Parce qu'ils sont pas honorés par leur mari. They are not honored by their husband. Un mari très gentil à l'église. A husband that's un mari qui sourit avec tout le monde. Laughing with everybody. Mais à la maison. But in the house.
Même quand tu peux très bien préparer. When you, even when you cook very well. Il n'a jamais dit merci. He never said thank you. Il ne peut même pas t'acclamer pour dire que chérie, c'était wow. He cannot even clap for you to say, oh, that was. Mais un jour, la femme était déçue. But one day, a woman came. Jésus n'a rien. With a wife. C'est son mari qui est la première personne à dire. It's the husband who's the first person. Oh, c'est pas si merveilleux. Oh, this mais la so femme great. Quand elle a goûté, elle dit mais qu'est-ce qu'il y a de merveilleux ici? But when the wife tried, il n'y a rien like, de merveilleux ici. What's great here? There's nothing. Mais à la here. Maison, but in the house, tu n'as jamais dit à ta femme que c'était merveilleux. Never said to a wife that whatever you do, he was so. Fais des éloges à ta femme. You have to thank your wife. Fais des éloges à ta femme. You have to thank her. Avant même qu'elle sorte de sa chambre, before she can even leave the qu'elle entende une voix, she must listen to your voice. Chérie, je t'aime. You are beautiful. That I love you. Je fais un très bon choix. I made a good choice. Nous avons des problèmes aujourd'hui. We have problems today. Parce que beaucoup d'hommes, because a lot of men. Okay, on va demander à terminer. Ah, je vais conclure. Ah, okay, okay. Pour conclure, je vais dire ceci. To conclude, I will say this. Il est important que les femmes connaissent les besoins de leurs femmes. It's important for women to know the needs of the men. And the men to know the needs of the women. If you want to have a stable family, you need to know what the husband loves. Women, listen to me. Category de personnes caractérisées. Et peut-être par certaines qualités ou situations. They may have characteristics, maybe about situations. Par exemple, dans Juges chapitre 2, 10, in the book of Judges, on parle d'une génération qui ne connaissait pas l'Éternel. He talk about a generation that did not know God. Toute une génération qui ne connaissait pas l'Éternel. A whole generation that did not know God. Nous pouvons parler des hommes. Une génération des hommes justes. We can talk about a generation of people who nous are faut parler une génération des faithful, hommes intègres. People who are faithful. Mais que nos églises, in our churches, que nos familles, in families, soient des industries qui produisent. We want them to produce. Des générations à l'image de Dieu. A generation that looks like a God. Et ça c'est très très important. And it is very important. Il est important aujourd'hui. It is important today. Quand nos enfants, quand nous avons écouté le pasteur Richard, when we were listening to the pastor, que nos enfants comprennent qu'ils ne sont pas les fruits we want our kids to understand that they are not something just that happened. D'un génie créateur. But they are fruit of someone who is a creator. Que nos enfants comprennent qu'ils ne sont pas les fruits d'une évolution quelconque. They are not fruit of evolutions. Mais nous sommes les fruits d'un Dieu vivant et puissant. But they are from a living God. Vous savez, aujourd'hui dans nos écoles, today in our schools, non seulement ici, même en Afrique aussi, not only here, but also in Africa, la plupart de nos enfants, most of our kids entre en contact avec l'occultisme à l'école. They are able to become a part or member of occult entre en contact avec certaines groups, pratiques, and they start doing some practices qui arrivent à déstabiliser leur vie. And that destroys the lives. Dans Isaïe chapitre 44, in the book of Isaiah, le verset 2a, Isaïe chapitre 44, le verset 2a. La Bible dit ceci, ainsi parle l'Éternel qui t'a fait et qui t'a formé dès ta naissance, c'est lui qui est ton soutien, ne crains rien, mon serviteur David. La Bible says, ainsi parle l'Éternel qui t'a fait et qui t'a formé dès ta naissance, c'est lui qui est ton soutien, ne crains rien, mon serviteur David. Here is your God speaking, who created you, who made you from the day you were born. Et dans Psaume 139, in the book of Psalms, la Bible dit ceci, Bible says, Psaume 139, le verset 7 à 14, Psaume 139, le verset 7 à 14, the book of Psalms 139, toutes mes excuses, où irai-je loin de ton esprit et où fuirai-je loin de ta face? Where will I go far from?
from your spirit or far from your face. Si je monte au ciel, tu y es. If I go to heaven, you are there. Si je me couche au séjour des morts, tu voilà. If I go into where dead people are, je prends les ailes de l'aurore. If I wake up early in the morning, et que j'habite à l'extrémité de la mer, and I go far away by the là rivers, aussi ta main me conduira. There also you are et ta droite me saisira. And your right hand will si c'est dit, au moins les ténèbres me couvriront. The shadow will cover me. La nuit devient lumière autour de moi. And the night will become même a les light. Ténèbres ne sont pas obscures pour toi. And you don't know shadows. La nuit brille comme les jours. But the night is et like les ténèbres the day. Comme la lumière. And God, you are c'est toi my qui as formé mes reins, you made me, qui a tissé dans les seins de ma mère, and you made me from the womb of my mom. Verset 14, the verse 14. Je te loue, I bless et c'est you. Que je suis une créature si merveilleuse. Because I'm a wonderful tes œuvres sont admirables, and mon âme les reconnaît très bien. Your deeds are wonderful and my soul knows. Il est important. It is important. En commençant par nous-mêmes, le parent. From ourselves, parents. Que nos enfants puissent comprendre. Je reviens dans ça. So that our kids, our child can understand qu'ils ne sont pas le fruit that they are not fruits du hasard of just something that happened. Et il est important, and it's important qu'ils puissent comprendre to understand que leur naissance n'a pas été une erreur, that they were not a mistake, que leur vie n'est pas aussi un accident, their lives also was not a mistake. Vous savez, des fois quand on explique à un enfant la manière dont il est venu dans ce monde, sometimes when you try to explain to the kids how they came to this world, en apprenant que ta naissance n'était pas désirée par tes parents. Sometimes we want to tell them that maybe the parent didn't want them. Même si sa naissance n'était pas désirée par les parents, mais c'était une naissance programmée par Dieu. Even if the parents didn't plan to have that kid, it was planned by God. Si pour les parents il est un enfant non désirable, mais pour Dieu il est un enfant désirable. In the front of the parents, he was not planned, but in front of the God, God has planned it. Parce que c'est la volonté de Dieu pour qu'il puisse arriver because à exister et à venir dans ce monde. It was the will of God to allow him to come on the earth. Et il est important quand nous évoluons avec nos enfants, avec cette nouvelle génération. And with this new generation, it is very par rapport, important. Par rapport aux défis, par rapport aux réalités de ce monde, in face of the challenges and what que nous puissions comprendre que nous avons un Dieu non seulement qui commence mais qui achève ce qu'il a commencé. To understand that we have a God that whenever he starts something, la dimension de ne pas comprendre que Dieu achève ce qu'il a commencé amène beaucoup de gens dans le débrouillardisme. The thing is, people think that they don't know that God always finishes what he starts. That's why a lot of people make mistakes. Et nous avons beaucoup de gens aujourd'hui qui sont tombés dans le piège de commencer à aider Dieu. La plupart des gens qui ont commencé à aider Dieu, ils se sont éloignés de la trajectoire. And we have many people who are trying, they try to help God and they get out of the right way. Bien-aimés dans le Seigneur, brethren, que nos enfants comprennent. May our child. Ils n'ont pas choisi la race. They did not choose the race. Ils n'ont pas choisi la peau. They did not choose the color of ils the skin. Ils n'ont pas choisi de naître dans tel ou tel pays. They did not choose to be born in their family. Pour qu'ils ne puissent pas tomber dans les complexes et accepter n'importe quoi. So we don't want them to que tu sois noir, que tu sois africain, que tu sois que tu sois que tu sois. Mais il est important que tu puisses réaliser que je suis une créature si merveilleuse. Ce que je suis, c'est vraiment la volonté de Dieu. Marvelous creature in front of God, and they are. Il n'y a aucune couleur qui est supérieure à une autre. No mais ce que nous sommes, c'est la volonté de Dieu. Il est important de comprendre cela pour ne pas tomber dans les complexes, soit de supériorité, soit d'infériorité. It is important to understand that. C'est par l'ignorance que nous tombons dans les complexes de supériorité it ou d'infériorité. It is by ignorance that we fall in that pit of no, this color is a superior and the other one is not. Et que nos enfants comprennent. So our kids can understand que Dieu a un plan merveilleux pour leur that vie. God has a wonderful plan for the life. Et nos destinées sont entre les mains de Dieu. And our destiny in the hands ce of n'est pas God. Le plan du diable qui va s'accomplir. It is not the plan of devil ce n'est même now pas happen. La volonté de leurs parents. It is not mais the c'est la volonté of the parents, de Dieu qui va s'accomplir but dans the leur will vie. Of God in the life of the children. Cela va susciter à chaque enfant la grâce de s'attacher à ce Dieu-là. This will make our kids
to love God. Déjà dès le bas âge et la soif de marcher avec Dieu. So from day one, they can start loving God. They can start having thirst for things. Ils découvrent leurs identités pas par rapport à leur peau, so pas par rapport à leur provenance, so mais qu'ils découvrent leur identité par rapport à Christ. So they can discover their own identity with God, not by the skin color, not by the race. Et il est important que nous puissions comprendre cela. And it's important to understand that. Notre Dieu, our God, il est celui qui est le divin créateur. He is the divine creator. Et il nous a créé pour une raison précise. And he has a reason why he created us. Et que chaque enfant doit comprendre que Dieu a un plan merveilleux. Il a été créé pour un but. And we need to make kids understand that they have been created for et a reason. Et commence par les parents et que cela puisse être transmis dans la vie des enfants. From the parent to the kid. Tu es unique et tu n'as pas de photocopie. You are unique. There is no copy. Puisque you don't have any copy like you. Tu es précieux devant Dieu. You are precious in front of tu God. Tu es une meilleure créature. You are the je dis à quelqu'un que tu es spécial. Cela n'a rien à voir avec ta peau. Cela n'a rien à voir avec ta taille. Cela n'a rien à voir avec tes études. Tu es spécial. Or where you come from, but you are just special in front of God. Tu es une personne particulière. You are specific for God. Pourquoi? Why? Dieu ne s'est pas trompé. God didn't make a mistake. Il ne se trompera jamais. And he never makes mistakes. Si les gens ne te le disent pas, Dieu te dit qu'il est la première personne qui t'aime plus que ta femme, plus que ton mari. Even, et il a un plan merveilleux pour even toi. Even if people don't tell you that, c'est pas par rapport God à ton nez. Is letting you know c'est that pas par rapport à ton nez. C'est pas par rapport à tes oreilles. It's not about your nose or your ear. Ton voisin, que tes oreilles ne plaisent. Dieu your dit, eyes. Tu es pour lui une créature si merveilleuse. God says you are his best in his creatures. David, après avoir en sa propre génération, in his own generation, servi au conseil de Dieu, he served God, s'est endormi. And finally, he died. Servi au conseil de Dieu. He was dwelling in the palace. Après avoir à sa propre génération. In his own generation. Ah, je prie pour une génération qui a I'm praying for the today's generation. Une génération qui influence. I want the generation to influence. Qui impacte son to Dieu. Impact his qui people. Qui travaille pour l'avancement du royaume de Dieu. To work for God's things. Vous savez quand nous lisons Genèse chapitre 1 verset 26. When we read the book of Genesis. Genesis chapter 4, verse 26. Genèse chapitre 1, le verset 26. Genesis 1, 26. Genèse chapitre 1, le verset 26. Genesis 1, 26. Oh là là. Wow. Genèse chapitre 1. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image. And God said, let us make men in our image. Selon notre ressemblance. After our likeness. Je plaide qu'il y ait la restauration d'une génération à l'image de Dieu. I'm praying that there is a restoration of the image of God's generation. Associons-nous ensemble pour que nous puissions restaurer l'image de Dieu dans la vie de nos enfants. Restore the image of God. Très important, très important. It is really important. Faisons l'homme à notre image. Let us make selon notre ressemblance. After our likeness. Qu'il domine sur les poissons. Let they have dominion. Les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. And on all of the earth. Bien aimé, quelqu'un a dit ceci. Someone said, notre existence, our existence, a commencé les jours où nous sommes nés. Started the day we mais we notre are born. Vie, but our life, a commencé réellement. Start really, les jours où nous avons découvert pourquoi nous sommes nés. The day we discover the reason why je reprends, we are quelqu'un born. A dit ceci. I'm saying, someone says, notre existence a commencé les jours où nous sommes nés. Our existence starts the day we are born. Mais notre vie, but our life, a commencé réellement. Starts really, les jours où nous avons découvert pourquoi nous sommes nés. The day we discover why we are born. Autrement dit, il y a des gens qui existent mais qui n'ont pas encore commencé de vivre. That means that there are people that are existing but they don't know why they are living. Alléluia. Alléluia. Découvre avec moi que Dieu nous a créés pour un but. Discover with me that God created us for a reason. Et amène chaque enfant à réaliser qu'il a un rôle à jouer sur cette terre. And he wants each of us to understand what is our responsibility. Et c'est pas pour rien que Dieu nous a créés à son image. And it is for a reason he created us in his own image. À nous créer à son image. By doing this, c'est
Cela lui a permis à confier à l'homme la responsabilité de la terre. He was able to give us a responsibility to do Dieu something. Créant l'homme à son image, lui a jugé capable. God made us and make us able. Déchirer. To handle. Déchirer la terre. To manage the earth. Quoi que l'homme un peu inférieur à son Dieu. Even though men are a little bit under the power of God. Créé à son image. But they were created in the image of God. Puisqu'il ressemble à son créateur. Because men look like the creator. Cette dimension lui rend capable de dominer. That dimension gave him the capacity de gouverner. To dominate. Cela veut dire de régner. To rule. Cette dimension lui rend capable de cultiver. It makes him to cultivate. Autrement dit, de travailler. To work. Cette dimension lui rend capable de garder. It makes him to keep. De veiller, de protéger. To take care of, to protect. Quelle confiance. What a trust. Quelle confiance. What a trust. Amenez chaque enfant à comprendre. Let's make key to understand. Que je m'arrête ici.